Bien au contraire. N'a-t-il pas toujours manifesté ce goût pour les courses en peloton, où ses dons d'acrobate s'exprimaient pleinement? Ces courses où la victoire s'arrachait le plus souvent à coups d'audace et à coups de cœur. À coups de gros cœur, comme on dit dans le jargon des pilotes. Rien d'étonnant à ce qu'il ait alors choisi le cadre de la coupe Renault 5 Turbo Elf, nouvellement créée, pour effectuer sa rentrée en piste. Une coupe à vocation européenne de surcroît. Disputée en levée de rideau des Grands Prix et de quelques grandes classiques, les 24 heures du Mans entre autres. Cela veut dire se déroulant sous les yeux de l'élite du sport automobile mondial. Et surtout, devant un public aussi nombreux qu'avisé. Un public impitoyable qui n'acceptera pas que l'idole puisse déchoir. C'est pourtant le risque qu'a pris Jeannot. Risque d'autant plus grand que, sur la centaine d'adversaires engagés dans cette coupe, on relevait bon nombre de pilotes confirmés. Certes, son expérience de la Renault 5 Turbo est incomparable. De même, le soutien que lui apporte Elf, dont il défend les couleurs. Mais de la victoire à la défaite, il suffit parfois de pas grand-chose. D'une simple crevaison, par exemple. Dans ce type de compétition, seul le talent doit être considéré comme un privilège. Un règlement draconien impose l'égalité pour tous sur le plan du matériel. Fort heureusement, la Renault 5 Turbo de série se suffit à elle-même. De cette égalité devant le sport, personne ne se plaint. Elle garantit en outre la qualité du spectacle, en sollicitant sans cesse le courage et l'adresse des pilotes, comme en témoigne ce tour de circuit à Monaco, où plus que partout ailleurs, le sans-faute est impératif pour qui ne veut pas finir sa course dans le rail. Si à l'aise à se faufiler dans la vie et sur les circuits, le voici bien embarrassé. Nul ne résiste à la sympathie de cet incroyable petit bonhomme. On l'aime autant pour ses qualités humaines, sa gentillesse et son humour, que pour ses prouesses au volant. À raison d'une plaisanterie et d'un sourire par minute, Jeannot est une mine d'or pour les journalistes. On comprend alors aisément que l'on est fini par le mettre en page. Attention! Quand même, hein! Il est bon, mais depuis 4 ans, il a le temps de le faire bien. Hein. 6 ans! Thank you.
Ah, Jeannot, bravo. Jeannot, tout seul, one phone. D'accord, préparer ta Renault chez Meras. Bon, là, il faut des chevaux. Salut de la coupe. Merci beaucoup. Vraiment plaisir de vous la remettre. Et moi, je vais me couvrir de laurier. Je connais des gens heureux qui ne connaissent pas Jean Ragnotti. Il leur manque quelque chose. Ils ne le savent pas, mais il leur manque quelque chose. Jean Ragnotti, c'est le Christ. Un Christ qui ne cherche pas à convaincre qu'il est le Christ et que chez lui c'est mieux qu'ailleurs. Peut-être ne sait-il même pas qu'il est le Christ. J'espère qu'il ne mourra jamais. Imaginons un monde à l'image de Jean Ragnotti. Tous les contractuels, les concierges, les flics, les huissiers, les militaires, ceux qui nous gouvernent, tous à l'image de Jean Ragnotti. Que la vie serait belle et facile et gaie. Jean Ragnotti est léger en tout. Il a été réformé parce qu'il ne faisait pas le poids pour être militaire. Heureux homme. Dans ses rapports humains, il est si léger que personne jamais ne l'a surpris en état de mauvaise humeur. Asseyez-vous à ses côtés. Jamais vous ne verrez le compte-tour dans la boîte à gants, ni même dans le rouge. La caisse se tord à peine un peu, mais c'est surtout de rire. Il est si joyeux et si fantasque et si facétieux. Je crois que s'il nous quitte un jour, ce sera pour s'envoler. Une fois déjà, il a essayé pendant un rallye. On l'a retrouvé sur les plus hautes branches d'un arbre. Dernièrement, il m'a dit « À présent, je vis à la campagne dans une petite maison avec un petit jardin et s'il y tombe une petite bombe, j'en ferai une petite piscine. » Il est ainsi Jean Ragnotti. J'en suis certain, il ne mourra jamais. Et 80 mètres, droite très bon, ferme bon, coupé, très long gauche, moyen, 2. Sur droite, moyen bon. Droite, moyen bon. 30 mètres, droite bon, 3. Droite bon, 3. 30 mètres, droite très bon. Sur gauche bon, ferme 3. Et droite moyen bon, 2. Et droite moyen bon, 2. Sur gauche à fond. 20 mètres, long gauche moyen, sur droite dure. Sur droite dure. Là, c'est l'aventure Renault un peu qui commence, hein, on va dire. Oui. Et puis donc, cette fameuse victoire au Monte Carlo, pour commencer. Il y en a une. Ça va être quand même un truc pas mal, très important. Et puis, bon, bah, quand on était dans des sols très enneigés ou très secs, la 5 Turbo, il faut dire que c'était la meilleure voiture sur l'asphalte ou quand les conditions étaient vraiment régulières. Là, on avait un peu plus de mal, c'était moitié mixte, moitié glace, moitié goudron. Là, on avait un problème de temps de réponse du turbo, puisque c'était les premiers tours de roue du moteur turbo, ça veut dire. Le moteur n'était pas toujours facile à utiliser sur différents terrains. Mais quand c'était totalement régulier, le terrain, alors là, on se régalait vraiment. Parce qu'il y avait quand même des palos de 300 chevaux. En 81, c'était bien. Droite à fond plus.
gauche moyen, à 30 mètres, gauche dure. Gauche moyen, à 30 mètres, gauche dure. Gauche dure. Alors c'est vrai que Jean-Luc Thérier un petit peu, a dû abandonner, donc c'est aussi pour ça que vous gagnez, mais enfin c'est pas pour diminuer évidemment votre mérite. Bien sûr, on avait la vie en général, une victoire au Monte Carlo. Dans la journée qui suit, dans les heures qui suivent, ou dans les 2-3 semaines qui suivent, oui, un petit peu, parce qu'on nous appelle au téléphone, il y a des télégrammes, il y a quelques visites d'usines où on va serrer les mains des employés et parler de la 5 Turbo, la faire revoir. Donc il y a un peu plus d'agitation, mais après ça se tasse et puis après on enchaîne sur les autres rallyes. D'accord. Alors vous avez eu d'autres victoires en championnat du monde, enfin en Tour de Corse. Oui, Tour de Corse deux fois. Deux fois, c'est ça. Ouais. Donc ça fait. Alors vous avez gagné quand même. Quatre-vingts mètres, droite à fond, serré droite. 30 mètres, droite à fond plus, et 150 mètres. 150 mètres, gauche à fond, et serré gauche. 100 mètres, droite à fond, 400 mètres. 100 mètres, bosse, 110, saute, 300 mètres. 300 mètres, long gauche à fond, long gauche à fond. Pour